Bonjour la Guadeloupe, bonjour Marie-Galante, bonjour Saint-Louis. Je me présente à vous, Martin Nago, 53 ans, né à Saint-Louis de Marie-Galante. Cher Saint-Louisien, chère Saint-Louisienne, c'est avec beaucoup de plaisir que je suis là aujourd'hui pour la campagne 2020 du 15 au 22 mars pour me livrer dans cette campagne. Je tiens à vous parler gracieusement de mon engagement pour la commune de Saint-Louis. C'est vrai que l'association d'Ubout pour Saint-Louis, Tout le monde c'est monde, me soutient aux élections municipales, soutenue par le Parti socialiste et avec une majorité de la municipalité dont j'ai eu l'occasion de travailler avec pendant ces 6 années. C'est vrai que Saint-Louis a un potentiel de développement énorme. Il s'agit aujourd'hui pour nous, l'équipe, de femmes et des hommes en charge du développement de cette commune, de veiller à ce que la population soit bien intégrée et que la vie associative soit aussi notre priorité. C'est aussi donner envie aux Saint-Louisiens qui sont à l'extérieur de revenir à Saint-Louis. C'est aussi d'améliorer le cadre de vie chaque jour des citoyens de Saint-Louis et aussi de donner envie au personnel administratif, au personnel technique d'avoir un lendemain de meilleur. C'est vrai que la situation de Saint-Louis est difficile et financièrement, mais nous veillons à ce que nous allons travailler avec l'équipe pour assainir pendant notre mandature et voir après les 6 années que nous allons œuvrer pour la commune avec des projets innovants, avec la population. Et je crois que je suis en capacité. C'est vrai que je fais partie de cette équipe qui arrive à échéance au 15 mars. C'est vrai que l'équipe n'a pas démérité. C'est vrai que nous avons travaillé et en ma qualité de conseiller départemental également. Je n'ai pas démérité à la reconstruction de Saint-Louis et aussi à l'épanouissement des Saint-Louisiens. C'est vrai, les choses ne sont pas faciles. Loin de dire à la population que je vais faire emmener des projets faramineux, non. Je suis en harmonie avec le territoire. C'est vrai qu'il y a l'agriculture qu'on doit pouvoir pérenniser sur ce territoire. C'est vrai qu'il y a de la pêche, les pêcheurs permettent à ces pêcheurs d'avoir une formation adéquate pour pratiquer leur métier. C'est aussi notre volonté d'accompagner le monde sportif, parce que depuis mon arrivée au conseil départemental, je n'ai pas cessé d'accompagner notre jeunesse. C'est vrai aussi, depuis mon arrivée au conseil départemental, je n'ai pas rechigné à la tâche concernant les personnes âgées, nos aînés. Et je crois qu'avec les projets structurants, améliorer le centre-bourg, et je crois que tout ça fera de moi un candidat pour porter les vrais projets de Saint-Louis. Je tiens à solliciter votre suffrage pour les élections municipales de mars, et aussi de rester humble à l'image que j'ai toujours véhiculé envers vous, et je vous dis, votez Nago le 15 mars, vous ne serez pas déçus.